Donc, pour ceux et celles qui n'étaient pas là lors du partage vendredi, il y a une question qui a été posée par la sœur Marie-Angèle, et puis on a commencé à explorer la parole de Dieu pour comprendre. En fait, c'est une personne, une sœur, qui a fait un mariage coutumier, enfin la dot, hein, oui, voilà, qui... dont la dot a déjà eu lieu. C'est un frère et une sœur qui se sont, je sais pas, qui se sont mariés, on va dire ça comme ça, qui se sont mariés, la dot a eu lieu et le mariage civil va avoir lieu dans 2 semaines. Et puis bon, la sœur constate en fait que le frère, bon, il y a des choses qui ne vont pas. Et donc, la sœur voulait savoir si elle est mariée déjà ou pas du tout. Bon, elle a rappelé que le mariage n'a pas été consommé. Donc, ils attendaient que le mariage civil puisse avoir lieu pour consommer le mariage. Et donc, la sœur se demandait, est-ce qu'elle peut encore faire machine arrière? Auquel cas, est-ce qu'elle est déjà mariée ou pas du tout? Bon, on a exploré la parole de Dieu vendredi. Et puis on a vu qu'elle est bel et bien mariée devant le Seigneur et qu'elle ne peut pas reculer. Donc elle est déjà mariée. Donc on a vu que bibliquement, le mariage c'est devant les parents. Et ça nous a amené sur un autre sujet, un autre sujet sur lequel on a beaucoup partagé, un sujet qui a carrément renversé notre façon de comprendre le mariage. Et moi le premier, hein, parce que nous sommes... comment dire, nous sommes encore le résultat, malheureusement j'ai envie de dire, du siècle présent. C'est-à-dire que dans notre intelligence, si nous ne sommes pas renouvelés par la parole de Dieu, nous allons raisonner, réfléchir comme le siècle présent. Or, l'apôtre Paul dit, je crois que c'est dans 2 Corinthiens, je ne me souviens plus exactement du passage, sinon on va le retrouver. Il dit, nous renversons les raisonnements et nous rendons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, quand il parle des hauteurs qu'il renverse, en fait, souvent certains ont mal compris ce passage-là et pensent que, en fait, quand on dit de renverser les hauteurs, c'est, je sais pas moi, un esprit qui se lève au-dessus d'une ville et qui, comment dire, fait en sorte que les gens soient dans leurs ténèbres et ne croient pas au Seigneur. Beaucoup ont pensé que c'est ça. Mais en fait, dans le passage lui-même, quand il dit que nous renversons les raisonnements, donc il explique tout de suite après ce que c'est ces raisonnements-là. Nous savons en fait que ce sont les pensées viciées par le siècle présent. Et nous-mêmes, nous avons encore beaucoup de zones de zones d'ombre comme ça justement. Et moi-même, j'ai été agréablement surpris de voir que le Seigneur avait tout prévu d'avance. Et j'ai beaucoup appris au travers de cet échange-là qu'on a eu. Donc, je lis le passage que je viens de dire là, c'est dans 2 Corinthiens 10, verset 4. Verset 4-5, il dit, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses. » Donc, les forteresses dont il s'agit, qu'est-ce que c'est? Verset 5, « Nous renversons les raisonnements et les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. » C'est ça les forteresses en fait. Les forteresses, c'est simplement les raisonnements, les hauteurs qui s'élèvent dans nos pensées là et qui vont contre la connaissance de Dieu, c'est-à-dire contre la parole même de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà. Donc, je remets encore en perspective ce dont nous discutions vendredi. C'est que on était un peu... comment dire? On était un peu stupéfait devant le fait que la parole nous dise que ce sont les parents qui choisissent les femmes pour leurs enfants. C'est complètement à l'encontre de la réalité du siècle présent. Ça peut même nous paraître choquant, hein, mais quand on ouvre la parole de Dieu, on se rend compte que vraiment c'est ce que le Seigneur dit dans sa parole et que on voit ça vraiment tout au long de la parole de Dieu. Bon, je voulais juste lire encore
quelques passages. Peut-être ça va nous conduire encore dans le partage pour qu'on arrive à en tout cas à poser la parole de Dieu, même comme on l'avait déjà fait vendredi, sur vraiment les échanges que nous avons eus. Donc, je prends 1 Samuel chapitre 18, je lisais ça ce matin, et puis je me suis dit, on va le lire ensemble pour voir encore comment est-ce que le Seigneur nous conduit dans sa parole. Dans 1 Samuel chapitre 18, verset 17, Saül dit à David, on sait que David a épousé une des filles de Saül. Donc, nous sommes ici dans le verset 17 de 1 Samuel 18. Saül dit à David, « Voici ma fille aînée, Merab. Je te la donnerai pour femme. » Donc, on voit ici que c'est le père lui-même qui décide de donner sa fille. Et c'est là, on ne montre pas Saül qui allait consulter Merab pour lui demander, « Est-ce que tu veux prendre David pour femme ?» Donc, le papa décide de façon totalitaire, on peut même dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il décide souverainement. Et pourquoi il peut décider souverainement? Parce que Dieu lui a donné cette prérogative-là. Et Dieu ne va pas s'insurger en venant dire, « Père, tu n'avais pas à faire cela. » Non, pas du tout. Continuons donc. « Je te la donnerai pour femme. Sers-moi seulement avec veillance, autant pour moi. » Et mène les guerres de l'Éternel. Or, Saül se disait que ce ne soit pas ma main qui le frappe. Donc, Saül tendait un piège en fait à David, mais que ça soit la main des Philistins. Alors, verset 18, David répondit à Saül, qui suis-je et qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que le clan de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi? Lorsqu'arriva le temps où Merab, fille de Saül, devait être donnée à David, elle fut donnée pour femme à Adriel de Meola. Bon, elle a été donnée à quelqu'un d'autre. Jusqu'ici, il n'y a aucune trace de la volonté de la chère Merab. Continuons verset 20. Michal, fille de Saül, aima David. On a abordé aussi cet aspect-là, de se dire, si j'aime quelqu'un, alors vraiment, Dieu, Dieu a tout prévu dans sa parole. Donc, on va voir maintenant, est-ce que le fait qu'elle ait aimé David, est-ce que c'est parce qu'elle aime David que Dieu va dire, bon, ok, oui, il y a quelqu'un qui demande le chapitre à mention, oui. C'est 1 Samuel 18, verset, nous sommes au verset 20 maintenant, on a commencé au verset 17. Donc, on a vraiment ici là le cas d'une fille qui aime un homme, et on va voir si ça suffit, si c'est suffisant vraiment pour que la main de l'Éternel se pose dans son cas et valide. Donc, on le rapporta à Saül. Vous voyez, elle aime un homme, mais comme elle aime cet homme-là, on va dire ça maintenant à son père. Parce que on sait que c'est le père qui peut décider en définitive, en fait. Donc, ce n'est pas parce qu'elle aime cet homme-là qu'elle peut prendre qu'elle peut prendre la décision justement de se mettre avec cet homme-là. Il faut absolument que le père puisse valider cela. Et la chose lui convainc. Vous voyez ce qu'il y a là? Milka, fille de Saül, aima David. On le rapporta à Saül et la chose lui convainc. Donc il faut que le père valide. Donc, c'est parce que ici, le père était d'accord avec cela qu'on peut aller plus loin. Si le père n'est pas d'accord, ça s'arrête là. C'est-à-dire que, bon, continuons maintenant verset 21. Saül se disait, je la donnerai, on voit encore, c'est Saül vraiment qui est souverain là-dessus totalement. Je la lui donnerai afin qu'elle soit pour lui un piège et que la main des Philistins le frappe. Donc, Saül, lui, son cœur était vraiment animé
par le désir de faire tomber David. Et on voit, bon, on a abordé aussi le fait que même si les parents sont païens, par exemple, et nous présentent une fille, est-ce que pour autant, donc on a un Saül ici là qui est animé de très mauvaises intentions, donc ici là il n'est pas du tout dans la volonté de Dieu. Mais en tout cas, continuons la lecture et puis on va voir comment ça se termine avant de tirer des conclusions. Alors, Saül se disait, je suis au verset 21, je la lui donnerai afin qu'elle soit pour lui un piège et que la main des Philistins le frappe. Saül dit à David, pour la seconde fois, tu vas devenir mon gendre aujourd'hui. Donc, le père est en train de dire comme ça à quelqu'un qu'il estime, à qui il peut donner sa fille. Il lui dit, tu deviendras mon gendre. Il ne va pas demander à sa fille, est-ce que tu es d'accord de prendre un tel en mariage? Mais il lui dit, comme ça, il parle directement avec le gendre. Alors, donc, Saül donna cet ordre, nous sommes au verset 22, cet ordre à ses serviteurs, parlez en confidence à David et dites-lui, voici que le roi et tous ses serviteurs t'aiment. Deviens maintenant le gendre du roi. Les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles aux oreilles de David, et David répondit, est-ce à vos yeux peu de choses que de devenir le gendre du roi? Moi, je suis un homme pauvre. Je suis peu de choses. Les serviteurs de Saül lui firent un rapport en ces mots. Voilà les paroles de David. Saül dit, vous parlerez ainsi à David, le roi ne veut pas de dot, mais il désire sans prépuce de Philistins pour être vengé de ses ennemis. Donc le roi propose ici à David, comme il est pauvre, une dot sous une autre forme. Donc qu'il aille tuer 100 Philistins et qu'il ramène leurs prépuces, ou en tout cas qu'il ramène les 100 prépuces de Philistins. Bon, il pensait donner vraiment une difficulté insurmontable à David. Saül combinait de faire tomber David entre les mains des Philistins. Donc il se disait que justement, dans cette bataille-là, David devait perdre la vie, autant pour moi. Continuons maintenant verset 26. Les serviteurs de Saül rapportaient ces paroles à David et la chose convainc à David. Lui, il n'a pas eu peur de ça. Il dit, bon, s'il n'y a pas besoin de d'autres matériels et que c'est juste aller comme ça ramener des Philistins, c'est bon. Pour moi, ça va. Alors, il deviendrait le gendre du roi. Avant le terme fixé, donc on a donné un délai à David pour amener les 100 prépuces de Philistins. Verset 27, David se leva, partit avec ses hommes et tua 200 hommes parmi les Philistins. Donc il a ramené 200 prépuces au lieu de 100. David apporta leurs prépuces et l'on en livra au roi le nombre complet afin qu'il devienne le gendre du roi. Alors Saül lui donna pour femme Milka, sa fille. Donc on voit, c'est bien clair, c'est Saül qui a pris toute la décision du début jusqu'à la fin. David a apporté ce qui lui était demandé et Saül lui a donné pour femme Milka. Alors verset 28, Saül vit et reconnut que l'Éternel était avec David. Fille de Saül, aima David. Donc, on reprécise encore ici, elle aima David, mais ça vraiment c'est parce que le père a validé que cet amour-là peut avoir lieu maintenant de façon officielle, qu'elle peut devenir exactement la femme de David. Donc si David n'avait pas ramené les 100 prépuces, s'il n'avait pas rempli les conditions posées par le père, malgré cet amour-là, il ne serait pas devenu sa femme. Le père n'aurait pas validé ce mariage-là. Saül craignit de plus en plus David et il fut en tout temps son ennemi. Les princes des Philistins faisaient des incursions
Et chaque fois qu'il sortait, David avait de plus en plus de succès que les serviteurs de Saül et son nom devint très célèbre. Donc voilà un cas de quelqu'un qui a aimé effectivement, mais on voit que il fallait la validation des parents. Prenons maintenant Juges chapitre 14 avec le cas de Samson. Il y a aussi quelque chose qu'on peut voir dans le cas de Samson. Justement, on avait parlé aussi de prier le Seigneur pour que le Seigneur nous envoie une personne qui serait notre mari ou notre femme et par rapport à la volonté des parents. Comment est-ce que ça peut se mettre ensemble quoi? Comment est-ce que si moi je prie, je crois avoir reçu que je dois épouser telle personne et que les parents ne sont pas d'accord, ainsi de suite, est-ce que je peux quand même avoir l'approbation de Dieu? C'est une question qu'on se pose. Bon, on voit dans le cas de Samson, un peu il y a quelque chose qui peut toucher et puis nous aider justement à méditer sur ce genre de cas-là. Juges chapitre 14, verset 1. Samson descendu à Timna et il y vit une femme. Donc c'est lui-même le concerné qui voit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère. Vous voyez, il a vu une femme, il est intéressé, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il retourne vers ses parents à lui pour leur dire, voilà, j'ai trouvé une femme, afin d'avoir leur validation. Pour aller plus loin, il faut toujours, à chaque fois, la validation des parents. Donc, nous sommes au verset 3 maintenant. La suite. J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent. On sait bien que l'Éternel avait interdit aux enfants d'Israël d'aller prendre des femmes étrangères. Ça, on le sait bien. Donc, déjà, les parents, eux, sont... Lui, Samson n'est pas dans la volonté de Dieu. Et voilà ce que les parents disent au verset 3. Son père et sa mère lui dirent. N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, ces incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car c'est elle qui me convient. Donc, on a deux, comment dire ici? On a la vie des parents et la vie du concerné qui est ici, dans notre cas. Bon, d'emblée comme ça, ce sont les parents qui sont dans la volonté de Dieu, puisqu'on sait bien que le Seigneur a interdit aux Israélites d'aller vers des femmes étrangères. Continuons la suite. Alors, verset 4. Son père et sa mère ne reconnaissaient pas que cela venait de l'Éternel. Donc, en plus, le Seigneur, dans son cas particulier, avait un autre plan dans les circonstances de Samson. Donc, son père et sa mère ne reconnaissaient pas que cela venait de l'Éternel. Car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Donc, voilà, on a dit, les parents qui disent une chose, le fils dit autre chose, et le fils même, lui, veut même faire la volonté de l'Éternel. Continuons maintenant, on va voir s'il y a la bénédiction de l'Éternel dans la suite alors. Samson descendit, je suis au verset 5, descendit avec son père et sa mère à Timna. Donc finalement, les parents ont dit, si c'est ce que tu veux, allons-y. Et arrivèrent aux vignes de Timna. Or, tout à coup, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel s'empara de Samson, dont le Seigneur était avec lui, sans avoir rien à la main, déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit pas à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle lui convint. Donc, on est ici dans le cas où il y a les parents d'un côté avec leur volonté
Et de l'autre côté, on a les concernés. Ça, vraiment, la démarche de Samson ici est la démarche que nous avons maintenant. C'est-à-dire que tu vas, tu vois une fille, elle t'intéresse. Bon, lui, il a au moins eu la démarche, le respect d'aller en parler aux parents. Il va maintenant parler à la fille pour lui dire directement, bon, entre toi et moi, comment tu vois ça, ainsi de suite. Donc, la fille aussi est d'accord. Donc, les deux concernés sont d'accord. Comme nous disons maintenant, aujourd'hui, en fait, que l'amour entre les deux conjoints, c'est ce qu'il y a de plus important. Et puis, bon, ça nous semble tellement légitime. Voilà, ça nous semble tellement légitime qu'on ne peut pas s'imaginer que Dieu puisse être d'un autre avis ou bien que Dieu puisse recommander autre chose. Bon, alors, dans cela lui convainc, nous sommes au verset 7. Quelque temps après, il revint à Timna. Alors, donc, poursuivons. Nous sommes rendus au verset 8 de Juges chapitre 14. Quelque temps après, il revint à Timna pour la prendre et s'écarta pour voir la dépouille du lion. Alors, donc, et voici qu'il y eut un essaim d'abeilles dans le corps du lion avec du miel. Il en prit entre ses mains et mangea pendant la route. Lorsqu'il fut arrivé auprès de son père et de sa mère, dont le père et la mère de Samson, il leur en donna et ils en mangèrent. Donc, il donna justement de ce miel-là qu'il avait pris dans les entrailles du lion mort à son père et sa mère et ils en mangèrent. Alors, mais il ne leur révéla pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Bon, continuons. Le père de Samson descendit chez la femme et là, Samson fit un festin car c'est ainsi que faisaient les jeunes gens. Donc, il est allé donc épouser la fille telle qu'il avait voulu. On sait que ici le choix, ce sont les deux conjoints qui l'ont fait, mais la volonté des parents n'était pas celle-là. Ils l'ont fait un peu malgré eux. Alors, dès qu'ils le virent, il fit le choix de 30 compagnons pour être avec lui. Samson leur dit, « Je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez au cours des 7 jours de festin, si vous la découvrez, je vous donnerai 30 tuniques et 30 vêtements de rechange. » Verset 13, « Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, c'est vous qui me donnerait 30 tuniques et 30 vêtements de rechange. » Il lui dit, « Propose ton énigme et nous l'écouterons. » Il leur dit, « De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, il ne put expliquer l'énigme. Le 7e jour, il dit à la femme de Samson, « Séduis ton mari et il nous explique et qu'il nous explique l'énigme. Sinon, nous te brûlerons, toi et ta et la maison de ton père. C'est pour nous déposséder que vous nous avez invités, n'est-ce pas ? Verset 16. La femme de Samson se mit à pleurer. Tout contre lui et se mit à pleurer tout contre lui et a dit, tu n'as pour moi que de la haine, tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme au fils de mon peuple et tu ne me l'as pas expliqué. Mais il lui répondit, je ne l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'expliquerai? Verset 17. Elle pleura tout
contre lui pendant les 7 jours que dura leur festin, et le 7e jour, il la lui expliqua, car elle le tourmentait, et elle expliqua l'énigme au fils de son peuple. Les gens de la ville dirent à Samson le 7e jour avant le coucher du soleil, quoi de plus doux que le miel, et quoi de plus fort que le lion? Et il leur dit, si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. L'Esprit de l'Éternel s'empara de lui, et il descendit à Ascalon. Il y tua 30 hommes, prit leurs dépouilles et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère et remonta à la maison de son père. La femme de Samson fut donnée à son compagnon qui avait été pour lui un ami. Est-ce que nous voyons comment ça se termine ici? Et je crois que si nous lisons la suite, on va voir qu'il y a eu de grands désastres par rapport à ça. Oui, continuons un peu au chapitre 15 là jusqu'au verset 8. Quelque temps après, je suis au chapitre 15, verset 1. Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson rendit visite à sa femme, donc celle qu'il avait épousée là-bas chez les Philistins, avec un chevreau. Il disait, je vais entrer dans la chambre de ma femme, mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. J'étais persuadé, dit-il, que tu n'avais pour elle que de la haine, et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas mieux qu'elle? Prends-la à sa place. Samson leur dit, cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. Samson s'en alla, il attrapa 300 renards qu'il tourna queue contre queue, et ayant pris des torches, dont il plaça chacune entre deux queues au milieu. Il mit le feu aux torches, lâcha les renards dans les blés des Philistins et incendia aussi bien les meules, autant pour moi, que le blé sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Les Philistins dirent, qui a fait cela? On répondit, Samson, le gendre du Timnien. Parce que celui-ci a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. Et les Philistins montèrent et la brûlèrent, la femme en question, et la brûlèrent, elle et son père. Samson leur dit, est-ce ainsi que vous agissez? Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. Et il les battit rudement à plate couture. Puis il descendit et se retira dans la grotte du rocher d'Étam. Voici un cas ici là où justement, je crois que ça c'est des cas vraiment sur lesquels on a partagé. Il aime une femme, la femme l'aime, il est même dans la volonté de Dieu, mais regardez un peu ce qui arrive. Dieu se sert effectivement de la colère de Samson pour juger les Philistins, ça c'est sûr. Dieu utilise toutes les circonstances, mais dans le mariage concrètement de Samson ici, il n'y a pas la bénédiction de Dieu. Moi je ne vois pas cette bénédiction là de Dieu dans ce mariage là où effectivement il n'y a pas la bénédiction des parents à la base. Et aussi d'ailleurs, le commandement de Dieu aussi a été transgressé, hein, le fait d'aller vers les femmes étrangères. Donc si on prend le cas de Dalila également, c'est dans le chapitre 16, on va voir qu'on revient aussi dans ce cas de figure-là.
Et lorsque on regarde aujourd'hui, parce que dans la pensée du Seigneur, même quand les hommes, je prends avec grand H, même quand la société, disons comme ça, pour bien situer le contexte, même quand la société s'éloigne de la volonté de Dieu, Dieu laisse quand même quelques traits. C'est-à-dire qu'il laisse quand même quelques éléments, voilà, qui permettent à ceux qui peuvent discerner ou bien d'observer et de savoir que là même, voilà comment Dieu est en train de nous montrer le chemin. Et il y a quelque chose auquel j'ai pensé après qu'on ait eu ce partage-là. Lorsque vous voyez dans le monde, même ceux qui ne sont pas chrétiens, en général, quand ils font les mariages civils là, après ils font la bénédiction nuptiale, généralement ils vont dans les églises catholiques, ils demandent aux prêtres de célébrer, de bénir, on appelle ça bénédiction nuptiale. Si vous voyez, si vous observez, qu'est-ce qui se passe généralement? Quand ils font le cortège d'entrée, vous voyez le marié arriver à la main de qui? De sa mère. De sa mère. Le marié okay. Arrivé à la main de sa mère. Et la mariée arrivée à la main de son père ou d'un représentant. Voilà. Ça, en fait, c'est la pensée de Dieu qui est là. C'est-à-dire que même dans notre paganisme-là, Dieu a quand même permis que les gens puissent être éclairés, comprendre que ce sont les parents qui donnent leurs enfants en mariage. Donc, même là, en fait, bon, ils sont censés venir n'étant pas mariés, bien qu'on sait qu'en général, ils sont déjà passés à la mairie. Donc, ils arrivent n'étant pas mariés et le père va donc donner sa fille en mariage à celui qui est là. Donc, même dans cette symbolique-là qui n'est pas souvent, bon, Dieu n'est pas forcément là, malgré ça, le Seigneur vient quand même nous rappeler que sa volonté, c'est celle que les parents ont décidé, en fait, quoi. Voilà. Donc, je crois quand même que au regard de ces exemples-ci, quand même, ça doit renouveler, en fait, hein, renouveler notre intelligence spirituelle afin qu'on soit vraiment immergé et inondé plutôt par les pensées de Dieu que les pensées du siècle présent. Je sais que ça nous paraît tellement légitime de dire « ça va être ma femme, moi je l'ai choisie, moi je l'aime elle-même, et puis tant pis pour la volonté des parents », mais ça c'est suivi de grands chagrins et de grands jugements. On a vu dans le partage plusieurs cas de figure, d'exemples dans nos familles, hein, où vraiment le jugement de Dieu est tombé. Et bon, pour ceux qui n'étaient pas là, on avait lu également dans 1 Corinthiens chapitre 7, même dans la Nouvelle Alliance, et on nous parle aussi de ça, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 36 jusqu'à 38, qui nous parlait de « Si quelqu'un qui a une fille vierge voit l'âge nubile, c'est-à-dire l'âge où l'enfant arrive, comment dire, à la puberté, donc où vraiment elle peut être donnée en mariage, s'il décide de la garder vierge, il fait mieux, et celui qui décide de la donner en mariage, donc on dit bien, c'est le père qui décide, s'il décide sans contrainte dans son cœur de donner sa fille en mariage, il ne pêche pas contre Dieu. » Bon. On a pris, c'est juste pour votre information, hein, par rapport à ce passage-là. Donc, ça nous dit simplement que dans la Nouvelle Alliance aussi, ce sont les parents qui donnent leurs enfants en mariage. Mais on est tombé sur quelque chose de très grave. C'est que dans les versions récentes, on a exclu les parents. Ces versets-là sont faux dans les nouvelles versions de Bible. On dit maintenant que c'est le fiancé. C'est-à-dire que si le fiancé décide de prendre pour épouse la vieille, il fait bien. Alors que dans les versions beaucoup plus anciennes, comme David Martin et puis les autres qu'on a vus, c'est le père, enfin les parents, s'ils décident eux de garder leur fille vieille ou de la donner en mariage. Mais dans les nouvelles versions, on a exclu les parents et on parle maintenant du fiancé. Et donc on voit que dans ces versions trafiquées-là, en fait, on voit où la société est en train d'amener les choses. Et nous, malheureusement, nous constatons que nous aussi, nous avons pratiquement adopté cette façon de voir les choses là où, bon, voilà, les parents sont vraiment très secondaires. Et bon, c'est nous finalement, parce qu'on dit oui, au final, c'est nous qui allons vivre ça tous les jours, ainsi de suite. Mais dans le partage, je crois qu'il y a vraiment eu la sagesse du Saint-Esprit au travers de l'intervention des uns et des autres, notamment de Georges, de dire que vraiment,
les parents d'avant qui se sont mariés même ne connaissant pas leur conjoint, ou les parents sont allés prendre une fille quelque part et venir donner à leur fils, ceux-là recevaient l'approbation du Seigneur, parce que le taux de divorce est beaucoup, beaucoup moins élevé dans les générations d'avant où les mariages étaient faits comme ça, qu'aujourd'hui où les deux conjoints décident unilatéralement, bon, je t'aime, tu m'aimes, allez, hop, on se met ensemble et puis on va. Bon, ça repose en général sur l'amour très humain, très plat. Dès qu'il y a les vicissitudes, les turpitudes de la vie là, allez, hop, bon, au revoir, et puis voilà comment les divorces arrivent. Alors que, puisque les parents, même sans le savoir, était en train d'accomplir la volonté de Dieu, Dieu lui-même gardait ces mariages-là jusqu'à la fin. Et si vous allez interroger, par exemple, surtout nos mamans ont subi des choses vraiment, je ne sais pas comment on peut dire ça, hein, dans les mariages. Beaucoup de nos parents, de nos papas ont des enfants hors mariage, mais nos mamans ont supporté ça. Ça, ce n'est que des exemples qui me viennent comme ça à l'esprit. Mais comment est-ce que nos mamans ont pu supporter ça? C'est vraiment qu'elles ont reçu une grâce extraordinaire de Dieu, d'une dose d'amour qui n'est pas l'amour que nous avons là. C'est vraiment un amour divin de savoir que là, je suis engagé dans le mariage. C'est quelque chose qui, c'est une alliance aux yeux de Dieu. Même si elles n'avaient pas les mots pour dire ça comme ça, Dieu lui-même a mis cet amour-là dans leur cœur de se dire, quoi qu'il en soit, quoi que ça me coûte, je dois rester dans ce mariage aussi. Souvent même, c'était juste, comment dire, l'envie de ne pas déshonorer sa famille. Parce que sa famille l'a déjà donné en mariage, leur parole a été donnée, donc on ne peut plus revenir en arrière. Donc même seulement par ça, elle restait. Mais en fait, c'est le Seigneur qui lui donnait cette force-là de rester, parce que le mariage avait été fait selon la volonté de Dieu. Bon, on a exclu évidemment les cas où les parents nous amènent dans un mariage qui n'est pas la volonté de Dieu, où on va prendre, je sais pas moi, on va te donner en mariage à un païen ou bien ainsi de suite. Bon, ça, évidemment, on exclut ces cas-là. Donc, vraiment, c'était pour mettre encore des versets bibliques par rapport à ce dont on a discuté vendredi. Après, maintenant, si les uns et les autres veulent encore apporter des éléments par rapport à cela, on peut continuer à partager dessus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen.